Salut tout le monde, c'est Kizay, bienvenue pour l'épisode 9 de No More Heroes 2. Ça fait un petit moment, même un bon moment, j'avais pas tourné de vidéo de No More Heroes, mais c'est chose faite maintenant. On avait terminé avec New Destroyman, donc dans le rôle de Shinobu. Cette fois-ci, on repart aux commandes de Travis. Et c'est parti, mes kiki. Oui, je sais, ça fait un bon moment. Sincèrement, ça fait depuis. Bon, un bon moment, ça fait quoi? Ça fait quand même un mois, hein, novembre, ça fait quand même un petit mois, mine de rien, que j'ai pu le faire No More Heroes. Non pas que je ne voulais pas ou autre chose, mais c'est juste que, voilà, il y a eu d'autres trucs qui sont sortis. Il y a eu l'esprit de Golden Sun, il y a eu le DLC de Zelda. D'ailleurs, je remercie encore vraiment beaucoup à tous et à toutes pour ce super moment qu'on a passé sur, sur les lives de Zelda, c'est vraiment excellent. Et j'ai aussi lancé Zelda Skyward Sword. Golden Sun, comme j'ai dit, on va juste faire le live bonus, donc le live sur les donjons optionnels et les boss optionnels, mais bon, ça, je pense qu'en une soirée, c'est bouclé. Bref, c'est parti, faisons pas plus traîner la chose, on y va. Alors, je pense pas terminer tout dans la soirée, mais voilà, prochainement, il faut vraiment que je continue No More Heroes, histoire de le terminer. Parce qu'il a quand même duré un petit moment, il a été posé un petit mois, voilà, il est quand même temps de le continuer et de le terminer. Ça sent la phase en moto, ça. Et je me souviens absolument plus vers où on se dirige. A man from the east had acquired power. Real power. Beyond brute strength or deadly weapons. Beyond technology or gimmicks. It's the power all humans have, but few learn to harness. It subdues all enemies with the sheer force of its will. When fighters who wield this clash, the battle is epic. They see it in each other and form a brotherhood. It becomes a test of their souls. Maybe someday we'll be the spectators of such a battle. Alors je me méfie parce que je crois que mon pied va rentrer dans pas longtemps. Ouh oui, je me souviens à peu près de celui-là, ouais, c'est un peu spécial. On va savoir aussi que là je filme direct depuis l'Elgato en fait, bon, logique vous me direz. Mais j'enregistre ma voix aussi avec l'Elgato directement. Que ça normalement j'évite le décalage. Par contre je peux pas régler ma voix à côté. Mais bon au moins ça évite le décalage en principe, donc c'est un bien pour un mal j'ai envie de dire. Un mal pour un bien plutôt. Alors du coup oui c'est un combat particulier parce que ça sera un combat en moto. Bon pas forcément très dur du coup. Mais voilà un petit combat quand même. Alors. Alors, de mémoire, le but, je crois que c'est qu'il faut pas faire ça. Enfin, il faut faire ça, mais à l'adversaire, pas à nous-mêmes. Bon voilà, ça commence bien, un petit fail dès le début, pourquoi pas. Voilà, bon c'est pas très difficile sincèrement comme combat. Vous allez voir c'est vraiment juste un qui pousse l'autre. Je dis ça mais j'ai quand même perdu deux fois. Bon la première c'est parce que j'ai fait une connerie monumentale. Mais il me semble que c'est. Enfin il me semble de mémoire que c'était pas si difficile que ça normalement. Bon, allez. Faut juste faire gaffe quand l'autre y charge. Comme ça. Le problème c'est. Putain, c'est pour diriger cette bécane. Ça dérape trop. Non mais enculé, va.
Tu vas où, Fren? Ok, je retire ce que j'ai dit. En fait, c'est de la merde ce combat. C'est de la merde et ça va pas me plaire. En fait, j'oubliais que le bouton B servait à accélérer aussi. Du coup, en fait, j'accélérais quand il ne fallait pas. Voilà, c'est X et Y pour freiner. Ouais, mais putain, il faut s'en souvenir quoi. Surtout la caméra, mais au secours, la caméra moisie quoi. Et allez, et ça repousse, tiens. Ouf. Oh merde, j'aurais pu l'avoir là. Oh putain. C'est triste, y a même pas de musique, y a rien. Ah, c'est vraiment dommage. Wow, putain, le combat de la tristesse, quoi. Alors, je sais pas où tu vas, Coco. Mais non! Putain, il m'a poussé comme une merde à cause de sa rotation, là. Bon, bah, bienvenue sur le combat de la merde. Ouais. Je pense que ça va pas être un très long épisode, à moins que je fasse beaucoup, mais... Par contre, c'est un combat de merde, hein. Ça, c'est un combat qui va vraiment pas être passionnant, je vous le dis tout de suite. Alors, à moins qu'il soit vraiment con, bah voilà. Il a été con parce qu'il a pas fait son spécial avant. Ah, je me disais quand même. Je me disais bien aussi. Je me souvenais pas d'un combat. Alors, du coup, oui, vous voyez que c'est vraiment le même style que nous, hein, quasiment. Donc il a aussi des bim katana contre ce dernier quand il fait... Putain, l'enculé de ta race. Attends que j'arrive à choper, mon gars. Ça. Putain, mais la portée quoi, au secours! C'est trop violent comme attaque! Bon, au moins, on peut la contrer, c'est déjà bon signe. Je vais vraiment essayer de jouer un peu plus sur l'esquive, mais. Oh, mais la portée de. Hey, la portée de cette attaque, franchement. Quand même, c'est stylé parce qu'il a un Naginata laser, c'est quand même la classe, faut l'avouer. Bon, visiblement, j'ai meilleur temps de lui foncer dans l'art. D'avoir MMX, pas possible, sincèrement. Ça se voit, je suis ramolli parce que j'ai pas joué longtemps. Ça fait un moment que j'ai plus joué à No More Heroes. Bon. Oh, j'ai quand même réussi à l'avoir. Putain, étonnant.
Bon, écoute. Changement de strat. Peut-être celui-là sera, peut-être celui-ci passera mieux que le double katana. Mais putain, sans déconner. Il est chiant. Ouais, les seuls moments où je peux profiter, c'est... C'est ça, quoi. C'est le seul moment où je peux profiter pour attaquer, parce que sinon... Ils m'enchaînent comme une pute. D'accord, qu'est-ce que c'est encore ça? Ouah, carrément, il y a avec un dragon et tout, le gars. Apparemment, c'est toujours sur le terrain cette merde. Bon, peut-être que je me soigne, ce serait mieux. Oh mais vas-y, putain. Et vas-y que je te sens le dragon mythique. Et vas-y qui m'attaque, je peux rien faire. Et ça rame. Putain, oh là là, oh là là. Non mais comment tu veux que j'esquive? Sincèrement, j'ai à peine le temps de me relever que je me fais enchaîner. Je peux pas esquiver, c'est pas possible. Oh puis merde, non, désolé, mais là, les jouer comme un pro, c'est pas mon but. Hein. Moi, mon but, c'est de faire le jeu. Vous voulez voir des pros jouer, vous avez qu'à mater un speedrun dessus, puis voilà, quoi. Ouh, j'ai reçu une esquive de dernier instant, là, je crois. C'est pour ça que j'ai eu un petit effet ralenti. Et merde, le katana est vide. Et le dragon qui m'enchaîne. Ah, le dragon, je sais vraiment pas comment tu veux esquiver cette merde, hein, sincèrement. Mais regarde cette violence! Dégâts qu'il fait, quoi! Au final, bah allez, le dragon qui revient d'un coup comme ça, je croyais que t'étais parti pour deux monstres, enculé, mais non, non, il revient. Ouh, finalement, t'es bien plus chiant que je pensais, toi, hein. Bon, bah, il reste trois quarts, je vais crever encore. Et voilà. Magnifique! Magnifique! Ah putain de merde! J'en ai pas mal contre le carton là! Ah putain! Ouh! Là 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 là! Finalement, le Katana ou le Katana 5, ça change pas forcément! Mais putain! C'est pas vrai quoi! Mais allez! Regarde-moi ça! Une fois que je suis pris dedans, je ne peux rien faire! Une fois que Trémy s'en relève, je suis enchaîné! Putain, allez les mecs! Oui, j'arrache, ça me casse les couilles parce que non, je ne peux pas esquiver! Voilà! Et non, je n'esquiverai pas, j'esquiverai ce qu'il faut, ce que je peux esquiver! Voilà, merde, ça me saoule! Non, mais sans rigoler quoi, merde! Ce boss est chiant, putain, merde! Je veux bien être d'accord, les boss ne se laissent pas enchaîner tous! C'est normal, il faut qu'ils se posent un peu de résistance! Mais putain, quand le machin il se téléporte, il fait des esquives! De tous les côtés possibles, imaginez un peu d'arrêt, je peux pas toucher ni enchaîner, comme il faut, je vais te laisser la merde! Je peux te gêner un moment. Bah non, je ne peux pas. Parce que dès que je passe à la blague, je suis l'esquive de tous les côtés. Vas-y, j'esquive et hop. Sans déconner, je sais quoi. Et regarde ça, je peux même pas m'approcher de lui. Bon, alors là, si j'arrive à toucher, je ne sais par quel miracle. Putain, mais sans déconner quoi. Regarde ça, putain. Là, il a une frappe d'invulnérabilité parce que je ne sais par quel hasard.
J'ai pu l'avoir. C'est mort, il a aucune frappe d'invulnérabilité ce mec. C'est pas possible. C'est vraiment à part déséquilibré pour avoir de la luck. Je sais pas comment faire. On va enchaîner comme ça, c'est la seule manière. Parce qu'après il va invoquer son putain de dragon M2. Si, il a déjà. Voilà, là il appelle son dragon mystique violet pour se tuer ta mère. Les dragons qui m'enchaînent, et vas-y qui m'enchaînent, et je peux pas bouger parce que tant que je me relève, c'est trop tard. Voilà, là tu vois, je peux l'enchaîner un petit peu parce que par hasard, pur hasard, j'ai réussi à esquiver son attaque. Mais autrement, laisse tomber, je ne peux pas esquiver tout. Et fuck la shit, je suis pas un dieu d'esquive, je suis pas un PGN. Mais regarde, le dragon qui peut devenir d'un coup. Genre t'es là, ok, y'a plus de dragon, c'est bon, c'est safe. Ah non, le dragon il apparaît d'un coup dans ta merde. Dans ta gueule, je vais dire dans ta merde, dans ta gueule. Bref, non, c'est de la merde, désolé, regarde-moi ça, putain quoi. Allez, le temps que je me relève, me défonce. Pff, voilà. Je vais pas rager. J'essaie de pas rager sincèrement. J'essaie de pas rager. Mais c'est vrai. Non quoi, merde. Je suis désolé, ce boss est chiant. Pourtant les autres ils étaient durs, ok. Mais putain, je pourrais les enchaîner un minimum. Là je peux rien faire. Le mec il me malmène, mais un truc de fou, je peux rien faire. A part si voilà, comme là par chance, j'arrive à esquiver un de ses coups. Sinon c'est mort. C'est mort. Ouais, parfait, j'essaie de faire des kicks ou des taunts là pour le. Attaquer au moment, ça marche pas non plus. Maintenant j'ai le dragon qui me colle au cul. J'ai la batterie qui flanche. Allez. C'est pas fini, j'ai encore le dragon qui va arriver. Voilà. En fait, j'ai remarqué, quand le ciel est obscur, le dragon est encore là. Si le ciel est plus obscur, c'est qu'il n'est plus là. Donc là, j'ai encore le dragon qui va faire la plus maintenant du coup. Putain. Et en plus, il enchaîne les trucs quasiment à l'infini. Mais vas-y, on ne dira rien. Sans déconner. Sans déconner, quoi. Voilà, là, à part là, dans ces moments où je peux enchaîner parce qu'il a loupé son attaque, je ne peux pas. C'est mort. C'est peut-être ça, le secret. Il faut peut-être attendre qu'il ait terminé son attaque, c'est peut-être ça. Je commence par le dragon qui me malmène. Allez. Pff, bon, allez, super. On ne dira rien. Ouais, avec 3 quarts là de vie. Pff, voilà, achève-moi parce qu'avec 1 quart de vie, ça serait possible de gagner. C'est aussi un miracle ce produit. Et j'arrive à défoncer comme ça. Ce qui m'aiderait grandement. Ouais. Ce boss va être horriblement casse-couille à défoncer. Je vais passer toute la soirée, je retournais qu'une vidéo quand j'en voulais en tourner plusieurs. Du coup je me prive de jeux et de soirée et de Nanim pour tourner sur un boss de merde. Parce qu'il est ultra pété, il est chiant. Ah j'aime ma vie putain. Ça, c'est le négatif de YouTube, tu vois. Quand tu tournes des vidéos, et que du coup, tu te prives d'autres activités que tu aurais pu faire dans ton livre, parce que un putain de boss, sa mère, la de la chienne, te fout des balles dans les roues. Regarde ça, putain, je suis obligé d'attendre qu'il termine son combo et qu'il est loupé pour l'enchaîner, c'est impossible. C'est un truc de fou quand même. Et putain, je suis censé avoir la quasiment au maximum, bordel de merde. Pourquoi je fais si peu de dégâts? Ça, je comprends pas trop comment marche les dégâts dans le jeu. Des fois, t'as des boss en qui t'enchaînes les coups. Ça fait des dégâts monstrueux, t'en as en qui faut mitrailler 50 000 fois le bouton pour enlever le stress d'un carré par deux vies, sans déconner. Bon, là je gère mieux, parce que j'ai commencé à comprendre comment marchait son pattern. J'ai juste un pattern avec le dragon qui a fait de couilles, mais ça va. Oh non, ça me dit pas que c'est le truc one shot, enfin, ça va. J'ai eu les boules, c'était l'attaque one shot, parce que vous savez très bien dans mon héros, c'est un boss sans attaque qui te one shot si t'es flippant. C'était le cadavre dans la prison par exemple, si tu faisais choper, peut-être faire son câlin là. Si t'étais flippant, t'étais one shot. Mais regarde ça, putain! Mais oui, je rage, je t'en viens, voilà, mais non, je t'en viens pas, mais. C'est dégonné, c'est chiant! Allez, putain, et vas-y, le temps tu te relèves, tu t'enchaînes de tous les côtés, mais merde quoi! Elle appelle le dragon, elle fait un dragon mystique. Le dragon qui me rétame, mais je peux pas me lever parce que nique sa mère, dragon. Voilà, allez, on va d'un côté à l'autre du terrain, on dira rien. Putain, je partais tellement bien, je partais bien pourtant sur ce combat. Mais non. Enfin, regarde, ce dragon va pas tarder à revenir, il peut s'étendre un peu sur moi. Et voilà, je savais, mais sauf que évidemment, le dragon il peut prendre en même temps son attaque à lui. Donc forcément, je me prends l'attaque et le dragon en même temps, sinon c'est pas drôle. Je vais le soigner avant de crever bêtement comme une merde. Bon, je gère déjà un petit peu mieux, mine de rien. C'est pas non plus la grosse folie, mais. Mais putain, c'est pas possible ce mec. Mais même les attaques lourdes, ça fait pas de dégâts, mais merde, qu'est-ce qu'il faut? Lève-toi! Et allez, allez! Putain! Prends son dragon. Et allez, oh! Mais que c'est naze! Mais putain, c'est pas possible! Putain, parce que dès que j'essaie de dégager 2 secondes pour attaquer, c'est fini, je me mange toutes les mandats dans la gueule. Je suis désolé, mais j'ai pas accéléré l'épisode, c'est pas possible, je peux pas vous mettre un épisode de 40 minutes sans accéder à ce passage, je galère dessus, c'est impossible, je peux pas. Ah putain, merde, mais pourquoi je fonce dessus comme un con? Sérieux, il est presque KO, pourquoi j'arrive pas à le buter? Ah putain, le truc c'est que je sais pas quand est-ce qu'il va lancer son attaque.
Et là, je peux lancer les deux coups. Par contre, lui, il peut lancer les 15 coups. Et tranquille, le mec. Qu'est-ce qu'on entend ? Ça, je comprends pas aussi. Pourquoi la putain de recharge, quand j'arrête d'appuyer sur le bouton, ne disparaît pas ? Putain, j'arrête d'utiliser le bouton pour changer le katana. Arrête de le charger ! Si j'ai encore une fois dessus, je comprendrais putain, que le bouton me fasse charger encore. Mais putain, j'ai plus une fois dessus. Pourquoi tu fais encore changer le katana ? Putain, mais nique sa mère, dragon. Mais nique sa mère, dragon, la pute. Et franchement, tu viens de la défoncer avec un quart de cœur. Ouais, on va voir avec un quart de cœur. Si j'ai pas défoncé comme ça, mon dieu. Je vais sauver, j'arrête. Voilà, évidemment. Putain, mais une demi-heure déjà, une demi-heure, je suis sûr. C'est obligé, je dois vous accélérer ça au montage, je suis désolé. Ça fait moche, mais je m'en bouge toujours. Sans déconner, non, il y a un moment où la patience a des limites, je suis désolé. Oui, je suis nul, ok, vous pouvez dire que je suis nul, et c'est vrai, je suis nul, clairement. Je suis pas un pro-gamer, loin de là. Mais putain de merde, quoi. Ce jeu, autant j'adore No More Heroes, autant des fois pour son gameplay, des fois c'est vraiment de la merde. Je suis désolé, mais le fait que putain je n'appuie plus sur le bouton pour charger le katana, pourquoi t'es encore en train de charger? Le fait que putain les ennemis peuvent s'enchaîner mais 15 coups à la suite et t'enlever, mais allez, te mitrailler la gueule et t'enlever toute ta barre de vie, et toi tu peux faire que 2 coups, après ils esquivent directement. Ils sont déconnés quoi, regarde ça. Là, si je n'esquive pas ou si je ne pars pas, je me prends, mais putain, la moitié de ma vie, elle dégage, quoi. Mais regarde tous les coups que j'ai donnés au mec. Rien à faire, hein. J'ai enlevé que 2 carrés. 2 putains de carrés. Pourtant, ils sont épris des coups, hein. Allez, voilà, voilà. Ça commence. En fait c'est ça, à la fin son combo il essaie de te choper, et s'il te chope c'est le coup de boule qu'il te donne. Tu vois un peu le truc, le mec il se mange des coups à droite, à gauche, et il ne chancelle pas, oui ça se dit. Bref, il perd rien de vie, alors que moi je le mitraille de coups, lui il me touche une, deux fois, ça y est je perds deux carrés d'un coup quoi. Sans déconner, elle est où l'injustice quoi. Voilà, là c'est pareil, si j'esquive pas, je me fais rect, mais une force herculéenne. Voilà, là j'ai même pas eu le temps d'aller le chercher. Ce serait bien qu'on ait des attaques à distance. Sincèrement, c'est le truc qui manque dans le jeu, des attaques à distance. Alors je sais, oui, t'as qu'à te transformer en tigre. T'as qu'à activer la jauge du tigre pour avoir ces attaques, ces effets-là. Bah oui, mais encore faut-il que je puisse l'enchaîner sans prendre de dégâts. Et c'est ça le truc. Le tigre, il s'active uniquement quand t'enchaînes suffisamment les ennemis. Hein. Ah, sinon, oublie, c'est mort. Voilà. Bon, pour moi, il a fait sentir la pizza. S'il n'y avait pas son foutu dragon de merde qui est resté à côté, j'aurais pu l'enchaîner, mais d'une violence. Voilà. Putain, heureusement que j'ai eu le truc spécial qui s'est déclenché, mais heureusement. Je suis trop lent à réagir là-dessus, putain. Putain, là j'aurais pu l'enchaîner deux fois facile. Allez, le coup de boule. Parce que ta mère... Là, je vais invoquer le dragon mystique. Non, en fait, faut vraiment mais suivre le mec de l'œil, mais pour vérifier les mouvements qu'il fait et être sûr que t'as le temps d'esquiver, de l'attaquer au bon moment. Mais c'est un truc de fou quand même. Il faut que tu vois le moment où le mec il retire sa lame, il la bouge, et là tu dis ok, c'est là il attaque, je dois esquiver.
Bon, ok, il est temps d'aller chercher la vie parce que là je vais me faire rex par le dragon, j'ai absolument pas envie que ça m'arrive. Non, 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 et je refuse de crever maintenant. Pas maintenant, si près du but. Et lui la pizza. Hop, pizza, pizza. Merci. Non, 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 parce que crever là maintenant ça me ferait absolument chier. Et voilà, là après je peux esquiver, des fois je fais des trucs stylés comme ça, je comprends pas comment. J'arrive à esquiver le mec et à enchaîner. Mais voilà, ça marche une fois sur 10 000. Vas-y, mais regarde la vie qui m'a enlevé quoi! Juste en invoquant le dragon, juste en l'invoquant! Encore, je me serais pris le coup du dragon, j'aurais compris, tu vois, mais. Le pire, c'est que je me suis même pas pris le coup du dragon, c'est juste qu'il l'a invoqué, hein! Et vas-y, le dragon qui essaie de me bouffer! Oh putain de la merde, j'ai eu de la chance! Vite, ce dragon va apparaître à tous les coups. Là, j'essaie même pas d'attaquer parce qu'à tous les coups, j'ai le dragon qui va popper. Voilà. Sans déconner, quoi. Je voulais tourner une flopée d'épisodes de No More Heroes pour avancer et enfin prendre la série, mais. Sans déconner, je peux même pas tourner parce que je passe tout mon temps sur ce putain de boss. Il lui reste un quart de sa vie et même comme ça j'arrive pas à le défoncer. C'est un truc de fou quand même. Allez putain, 3 carrés, 3 putains de carrés et je l'ai défoncé sa mère. Et là j'aurais pu le choquer. Il va apparaître, attention à l'attaque spéciale. Allez putain, il en reste plus que deux là, plus que deux. Ouais, bah heureusement que le katana protège. Hein. Bon, attention. Attention, mais le gars, je dois venir à 10 km, mais même comme ça, je me mange l'attaque. Allez, tu vas voir qu'il va encore me défoncer, alors qu'il lui reste rien de vie. Tu vas voir, il va encore me défoncer. Ah, putain. Allez, maintenant, quoi, il reste un carré de vie. Achève-le, quoi. Allez, merci. Oh, putain. Nothing left. I know that, but he was a true warrior, and you gunned him down like a thug. This is not some Pee-wee karate tournament, Travis. You do not play bad and go home. You are an assassin, and killing is how you win. But what? He fought honorably, so you want to let him live? So he can come back stronger and cut you in half? You are developing a bad habit. First that dumb schoolgirl, now him? Just finish the job, or we will do it for you.
These fights are not a sport. Shit. Ryuji. Elle rigole pas la Sylvie, hein. Bon, d'un côté de la Pator, mais ouais, c'est un peu extrême, quoi. Enfin bon, nous sommes donc classés maintenant 7e. Et ben putain, c'était un... Moi qui pensais que ça allait être court. Bah ben, tu parles court mon cul, ouais, 40 minutes l'épisode. Bon, il en fera moins, hein, quand j'aurai accéléré les passages sur Sony Vegas, il fera clairement moins long, mais... Mais putain, quoi, sans déconner... Oh là là. Oh mon dieu, quoi, c'est violent.